Oui, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui, d'abord parce que c'est ce projet au moment où on parle plutôt de chômage, plutôt de difficultés, plutôt de crise sanitaire. Nous sommes plutôt dans la création d'emplois et dans l'innovation. Ce projet, c'est 200 emplois supplémentaires, c'est 50 nouveaux porteurs de projets, c'est de l'innovation, c'est de la formation aussi pour les jeunes. Donc, ce sont des signaux très positifs. C'est du travail pour les entreprises, puisque ce sont des TPE, PME réunionnaises qui travaillent. Sous forme coopérative, c'est une coopérative, c'est nouveau, donc ça c'est très très important. C'est important aussi parce que en étant là aujourd'hui, on montre que cet investissement de 30 ans, cette zone technopole, c'était des champs de canne il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça accueille près de 2000 emplois et ça veut dire que si nous continuons à travailler, il y aura des perspectives encore demain. Donc c'est un signal très fort et pour la maire que je suis de Saint-Denis, c'est très important parce que ça montre que la Cinor, bien sûr, est attractive, mais aussi la ville de Saint-Denis.